Bah qu'est-ce qui lui arrive? J'ai mangé de la bonne viande si j'ai pas de bêtises. Bref. Eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie. Il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 11e épisode de Sons of the Forest. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de M. Clono. Salut M. Clono. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici M. Clono bien sûr, pour ce nouvel épisode de Sons of the Forest. Voilà, on est plutôt motivé aujourd'hui en ce mercredi pour un épisode un petit peu plus long. Comme promis, j'ai bien compris dans les commentaires que vous appréciez, mais je le sais déjà, les épisodes plus longs. Donc écoutez, on va en profiter aujourd'hui pour continuer et terminer notre maison, notre construction. Kelvin, comment vas-tu? Eh ben écoute, je vais super bien. Eh ben ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. Alors, ah, je crois que nous ne sommes pas seuls à être heureux. Kelvin, viens avec moi. Alors par contre je vais avoir besoin de toi parce qu'on va devoir couper du bois etc. Parce qu'aujourd'hui vraiment on va terminer notre base. Et j'ai une superbe idée. J'ai découvert un truc incroyable les gars. Mais vraiment j'ai découvert un truc incroyable sur le glider. Donc vous savez le truc qui nous permet de voler. J'ai découvert un truc de dingue. Suis moi s'il te plaît avant que je te démarre toi. Kelvin, je vais le démarrer, c'est bon. Merci Kelvin pour ta collaboration. Voilà, j'ai découvert un truc de ouf. Le glider donc qui est juste ici là. En fait j'ai découvert un glitch, une technique, quelque chose comme ça, qui nous permet en fait de voler à l'infini sans forcément même démarrer tout en haut. Il y a juste besoin de faire une petite tour. Donc on fera une petite tour. Mais en fait voilà, il y a une technique du faire du haut bas haut bas haut bas quand on vole. Enfin vous verrez, on essaiera aujourd'hui dans cet épisode. Et en fait ça nous permet de voler quasiment à l'infini. Et en vrai on peut faire le tour de la map et aller là où on veut sans problème. Et ça c'est absolument génial. Donc on va vraiment essayer ça aujourd'hui. Ne vous inquiétez même pas. Alors, je pense qu'on enlèvera le ponton, qu'on fera des barrières électriques tout autour de la base, comme vous l'aviez suggéré en commentaire, et qu'on fera traverser tout par les tyroliennes. En ce qui concerne le garage de véhicules, si vous voulez qu'on en fasse un, bah on en fera un, mais ce sera là-bas, je pense, et pas là. Par contre, Kelvin va pas pouvoir m'accompagner. Je suis en train de réaliser. Alors, c'est pas grave. Oh si, Kelvin, il a réussi. Attends, mais c'est incroyable. Il arrive à venir là. Mais c'est complètement con s'il vient, parce qu'il va se retrouver bloqué. Attendez, bien sûr les amis, pendant ce temps là n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Je vais en fait lui demander. Alors on va juste buter le mec là bas Je vais lui demander de couper le bois qu'il y a là. Hop là dans ta gueule, bah voilà, comme ça l'affaire est réglée. Découpé, décapité en mille morceaux frérot. Voilà, il a rien vu venir. Je vais lui demander, voilà, viens voir. On va en profiter, alors ça marche toujours pas. On va lui demander de couper le bois là. Ça va nous permettre d'avoir une belle vue dégagée. Ça va être vraiment génial. Voilà, donc viens voir. On va se mettre en plein middle. Là il y a toujours les cannibales qui rôdent, c'est parfait. Virginia, je sais pas où elle est. Je vais te demander de nettoyer 20 mètres, clairement tout autour. Le maximum que tu puisses faire. Voilà, tu vas tout me dégager. Alors bien sûr les amis, aussi je voulais vous faire part et m'excuser. Dans le dernier épisode, les 8 premières minutes, il y avait un bug de micro. Ah Virginie, elle est là-bas, ça va. J'avais un bug de micro à cause de mon nouveau logiciel de montage en faisant la voix off. Donc je suis désolé, ça ne se reproduira plus bien sûr. Je suis vraiment navré, c'est horrible. Mais voilà, malheureusement j'ai pas pu faire autrement et c'est absolument chiant. Mais merci pour votre compréhension bien sûr. Hop, voilà, on envoie quelques petites pierres. On va en avoir besoin. Donc voilà, épisode construction, épisode également glider. Vous allez voir, on va voler, ça va être formidable. Et je vais laisser ça là pour le moment parce que j'avoue, j'ai un peu la... C'est pas que j'ai la flemme de faire mes protections, mais je n'ai pas de ficelle. Enfin, j'ai pas beaucoup de fil en fait. Ça va être un petit peu pénible. Donc bon, voilà. Et vous voyez, la technique, elle est incroyable. Je balance les pierres dans le rangement là, ici. C'est absolument formidable. Pareil, pour revenir, vous disiez en commentaire évidemment que ça fait un peu bizarre là d'avoir les troncs ici qui ne descendent pas, mais malheureusement c'est trop tard. Je vais pas m'amuser à tout reconstruire. Tu vois là je peux pas enlever les pierres. Ah si je peux. Attends. Non je peux pas. C'est logique. Je peux pas, ça va de soi. Je ne peux pas. Donc voilà, malheureusement c'est comme ça. Et on pourra rien faire d'autre. Donc voilà. Là c'est bon. Non, il faut encore que je coupe là. Bah j'ai plus mes raccourcis. Voilà. Hop. Voilà, on va s'occuper de là. On va se faire un feu de cheminée aussi. Enfin, on va faire vraiment mais beaucoup de choses dans cette base. Ça va être vraiment formidable. D'ailleurs, vous savez quoi?
On va tout de suite placer en fait ce qui va nous intéresser. Donc dans un premier temps alors j'ai déjà placé un lit en bois je crois là-haut hein, pour sauvegarder. Ouais, j'ai un lit là-haut déjà. On va faire un feu de cheminée. Le feu de cheminée, je le verrais bien ici. Voilà, je sais pas pourquoi je le verrais bien ici. Alors, meubles. Voyons voir comment ça se passe. Donc évidemment on va pouvoir faire les bancs. Ok, super, formidable. Voilà, bon, les étagères, on verra ça plus tard. Là, je vois vraiment la cheminée. 42 pierres, ça demande. Incroyable. Et on va la faire vraiment. Ouais, on va la faire là, en fait. Alors, on pourrait la faire comme ça aussi, tiens, si ça marche, en diagonale un peu. Ça peut être intéressant, mais est-ce que ça prendrait un peu trop de place? Je ne sais pas. Attends, on essaye, de toute façon, ça... Ouais, non, là, c'est horrible. Complètement débile. Ouais, malheureusement. Bah alors, plutôt là, contre le mur, là, hein. Contre le mur là ou alors là. Ah, ça m'énerve. Je voulais vraiment le mettre en diagonale. Là c'est pas comme j'imaginais. Alors dans ce cas là, autant faire ça chill et mettre ça en plein milieu là. Ça ferait vraiment chill. Avec les bancs au milieu et tout. Devant, tu vois ce que je veux dire. Non franchement là ça va être impeccable. Bon, il nous faut 42 rochers les gars. Alors ce qui est vraiment regrettable, c'est que je ne peux pas rentrer avec le chariot. Eh ? Non, je voulais faire une connerie. Je voulais mettre la tyrolienne au bout et voir si ça allait se construire ou pas. Mais je pense vraiment pas. Bah en fait je suis en train de me rendre compte, j'ai juste à enlever la porte. J'ai pas le choix, c'est temporaire, j'enlève la porte. Tac. Et là normalement. Alors on va voir si ça marche ou pas. Hein, c'est tout con. On va voir si ça marche. Eh d'ailleurs attendez, juste un petit calcul. 1, 2, 3. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Je vais mettre les pierres de construction. Voilà, 1, 2, 3. Bah, c'est quand tu veux, frérot. Pourquoi je peux pas prendre 4, 5, 6. Ok, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ok. 10, 11, 12. J'ai assez de pierres pour terminer la cheminée avec tout le stock que j'avais, les gars. Incroyable. Alors, ça fait plaisir. Voilà, j'avais absolument le nombre qu'il fallait. Alors, est-ce que je peux rentrer avec ou pas? En enlevant la porte. Ah, bâtard. Est-ce que je peux tenter comme ça? Ouais. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Franchement, je suis un peu deg. Voilà, je vais pas vous mentir. Bref, on aura essayé. Bah, c'est reparti pour les allers-retours. En tout cas, la cheminée, les gars, il reste plus que 13 pierres. Donc, écoutez, on va... Kelvin, je l'entends couper du bois hein, depuis tout à l'heure. Ça travaille très, très dur. Donc vraiment pas mal, j'ai hâte de voir la déforestation qui va nous proposer. J'ai hâte de voir aussi, parce que la cheminée c'est la première fois que je fais ça les gars, sur Sons of the Forest. Donc je ne sais pas du tout, est-ce qu'on va pouvoir juste se réchauffer? Ou est-ce qu'on va pouvoir également, je sais pas moi, faire chauffer de la nourriture dedans? Alors ça m'étonnerait, c'est pas fait pour, mais si on peut le faire c'est super cool. Parce que j'en ai marre de faire des allers-retours depuis tout à l'heure pour manger. Oh putain, il me reste plus qu'une pierre les gars. Incroyable. Hop, je prends la pierre symbolique. Et je la mets. Et voilà. Et en fait ça change absolument rien. Ah non, j'avais déjà fait une cheminée je crois une fois. Et en fait oui non, je dois juste mettre moi-même mes bâtons et aller me faire foutre. D'accord. Ah voilà, ça se met directement dedans. Ça c'est pas mal. Ok, bah écoutez, on va allumer le feu directement. Ne faites pas ça chez vous hein. Le feu dans la maison en bois, c'est pas une bonne idée. Est-ce que je peux mettre des pierres autour? Non. Bon, normalement le feu ne se cassera pas. Ah mais du coup ça veut dire que je peux cuisiner des trucs. Ah voilà. Rotten. Ah, c'est à dire qu'elle est pourrie. Mais c'est pas grave, je la mets quand même. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah je la mets comme ça, elle va cramer. Ok. Ok, j'aime bien. On va utiliser le stock de bois qu'on a encore là pour terminer là-haut ce qu'on va pouvoir faire. Et puis après, eh bien tout simplement. Mais je suis un connard. Ah mais là il y a le feu qui passe et tout. C'est pas. Faudrait faire une cheminée en fait. C'est pas très réaliste. Bah vous savez ce qu'on va faire? Ah non mais ça monte pas jusqu'en haut. On aurait pu faire un truc réaliste. On aurait pu faire une vraie cheminée pour le coup. Mais ça me plaît pas, ça marchera pas comme je veux. Par contre je suis débile parce que si je fais ça, en fait ben voilà, le toit est complètement con. Je vais pas avoir assez de place. Attendez, je suis en train de réaliser ma connerie là. Et j'avoue ça me fait chier. Oh regardez. Waouh. Par contre il est en train de gaspiller du bois là. Mais waouh, trop bien. Ah, je suis en train de me rendre compte de ma connerie. C'est que déjà là évidemment je peux pas passer pour des raisons assez évidentes.
Voilà. Alors ça me dérange pas de faire ça. Ah mais même ça c'est chiant. Non là ça passe. Non là ça passe, sachant que là ça se sera enlevé, la poutre ici. Mais là par contre c'est problématique. Ah, ah. Donc déjà ça change tout de ma perception. Bah après c'est pas grave hein. Il suffira de mettre l'escalier Il suffit de décaler l'escalier. C'est pas grave. Je dois juste tout recommencer, c'est pas grave, je vais me faire foutre. Alors attendez, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Déjà dans un premier temps, j'ai pas le choix, faut que j'enlève tout là. Parce que ça marchera pas, c'est là. Voilà. Voilà, faut que j'enlève ça, ça et ça. Voilà, ensuite, bah, c'est très simple, j'enlève l'escalier. Voilà. D'ailleurs, je peux placer là directement. Voilà. Tac, 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 tac. Merci à tous, bonsoir. Voilà. Et là je peux pas mettre. Ah si c'est bon, j'ai eu peur. Voilà. Bon, et une fois que ça c'est fait Ah merde. Bah non mais c'était complètement con de ma part. Faut que j'enlève tout ce qu'il y a là. Bien sûr. Tac 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 tac. Faut que j'enlève ça. Ah bah faut que j'enlève derrière aussi. Pour que je puisse enlever ça. Et ça. Paf. Et voilà le travail. Facile. J'ai envie de crever. Voilà. Et bah écoutez, je vais prendre les petites planches là. Voilà. Comme ça, je fais tout de suite les escaliers, bien sûr. Voilà. Ça, c'est pas des planches. Ça, c'est des planches. Voilà. C'est terrible, hein. Vraiment, c'est. Mais c'est bien fait. Il faut faire ça dans un certain ordre. Hein. Sinon, bah, ça ne marche pas. C'est logique. Allô? Voilà, merci pour ta coopération. Voilà. L'escalier est fait. Là, j'ai rien oublié. Très bien. Hop, hop, hop. Alors. C'est pas la bonne hauteur. Parfait. Il me faut une vraie bûche, là. Voilà, c'est la bonne hauteur. Ok. Ensuite. Parfait. Ah. Oh là, il se passe des choses là-bas. Je sais pas pourquoi, mais Kelvin, il est dans la merde. Non, Kelvin, c'est bon, il s'est caché dans la base. Voilà, bon, c'est pas mal, là. J'ai réparé un petit peu mes erreurs. Là, je peux reprendre encore de mes planches. Je peux les placer là. Voilà. Et là, normalement, je dis bien normalement, il me faut juste une petite bûche, là. Tac. Que je place ici, c'est ça. C'est ça, c'est la bonne hauteur. Là, normalement. Et j'espère que je me suis pas chié. Donc là, évidemment, ça pose pas de problème si je fais ça. Par contre, là, il me refaut. Voilà, là, la bûche, elle est bonne. Voilà. Là, normalement, je passe. Voilà, on se cogne la tête, mais ça marche. Ok, bah, c'est parfait. C'est tout bon pour moi. On a dû un petit peu s'adapter. Alors évidemment là cette partie là c'est un peu. En fait c'est un peu plus un grenier qu'autre chose au final le bordel hein. Faudra juste bien s'organiser quoi. Mais sinon dans l'ensemble bah écoutez ça me va hein. On fait avec. Là je vais laisser la hauteur maximale ici. Voilà comme vous voyez. Et puis c'est plutôt pas mal. Allez on va continuer le stock de bois qui nous reste. Et puis après on va partir récupérer ce que Kelvin nous a fait hein, si c'est possible. Et puis on va pouvoir enchaîner directement. Alors attends, là il faut que je place aussi ça là. Voilà, faut être quand même assez intelligent. Voilà. Oh, je crois que Virginia est de la partie. Ah, Virginia est là. Virginia a donné un coup de feu. Virginia est fâchée. Virginia se noie. Attendez, j'ai envie de voler. J'ai envie d'essayer le truc du glider. Je sais qu'on n'a pas de tour, mais on a quand même assez de hauteur selon moi. Donc ce qu'on va faire, en plus ça tombe bien parce que le soleil va se coucher je crois. Ce qui est plutôt pas mal, non il est que 16h mais t'as compris. Alors attendez, on va essayer hein. Je me suis même pas entraîné les gars. Pour tout vous dire. Donc là il faudra que j'arrive à rentrer dans la base avec le glider là. Bah non. Non j'ai pas le choix, il faut que je passe par là. Voilà, parfait. Et elle tire sur quoi là Virginia là. Est-ce que je peux passer? Ouais je peux passer. Ok, on va essayer de prendre de la hauteur de ouf là. Ah il y a des indigènes là-bas, d'accord. Et alors là l'idée,
Je vais réussir à faire une connerie, je la sens bien. Faut que je reste au-dessus de la terre parce que si je noie le machin, je vais m'en vouloir. Voilà. Alors, si je fais ça et que je relève. Ah voilà, ça marche super bien. Ouais, alors il faudra juste que je m'entraîne à mon avis, hein. Que je fasse une vraie tour parce que là ça va pas être possible. Bon, écoutez, c'est pas grave. Moi j'ai faim, je vais manger les gars. Drit de viande, c'est de la viande séchée, donc ça se mange, hein. C'est pas problématique. Hop, je mange. Voilà. Impeccable. De l'eau, on va boire. Hop. Je suis en train de. J'espère qu'il va pleuvoir bientôt parce que là c'est vrai que ça commence à être compliqué. Et puis bah écoutez les amis, on va continuer. Alors voyons voir Kelvin là, ce qui nous a un petit peu déforesté. Ah oui, on a une belle vue là. Là la vue est bien dégagée. Ah là c'est pas mal. Ça devient intéressant. Alors on a vraiment les bûches ici. Faudrait que je fasse une tyrolienne là. Ouais, faudrait que je fasse une tyrolienne. Ce serait plus pratique ici. Alors, est-ce que je peux la mettre là ou pas? Non, je peux pas, c'est dommage. Alors, c'est pas grave, dans ce cas-là. On s'adapte. Voilà, on s'adapte, les gars. À partir d'ici. Voilà, impec. Et on va envoyer les bûches. Alors, faut que je passe par là. Hop! Et on va les envoyer à l'intérieur de la base si c'est possible. Oh bah parfait, attendez, regardez. Et hop, magnifique. Là normalement, ça devrait être pas trop mal. Alors, on va juste dormir. Parce que là le soleil, quand il fait nuit c'est chiant. Il y a des indigènes partout autour là. Je sais pas si vous les avez vus courir, c'est absolument terrible. Je crois que Kelvin d'ailleurs continue son boulot là. Il est reparti d'attaque. Allez, on va dormir. J'ai peur de dormir trop tôt, voilà je vous le dis. Allez, on essaye. C'est bon. Oh purée, on a eu chaud au kiki, hein. 6h31, jour numéro 24. Le temps passe vite quand on s'amuse. Hop. Hop. On va manger un coup. J'ai vraiment hâte que notre base soit terminée. Et voilà, parce que là j'en ai marre de revenir ici à chaque fois. D'ouvrir les portes, c'est absolument terrible. On va vraiment enlever le ponton. On va juste y accéder par tyrolienne, ça va être très bien. Je vais me permettre de boire une boisson énergisante parce que bah, j'ai rien d'autre sur moi. Ah si, j'ai de l'eau dans les gourdes, mais je préfère économiser. Et puis là au moins ça me redonne quand même de l'énergie. Allez, c'est parti pour le transfert de bois. Donc ça les gars, je vais vous épargner tout ça, mais vous avez compris ce que je fais. On va voir si ça fonctionne au moins. Top. Top. Impeccable. Voilà, bon vous avez très bien compris. Je vais me prendre le piège à tout moment dans la gueule. Et Kelvin, il fait du beau boulot. Oh là 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 là. Putain, mais il y a des chihuahuas, frère. C'est incroyable. Putain, je suis dégoûté. À l'époque, tu pouvais faire une technique d'envoyer les bûches dans l'eau et elles rebondissaient jusque là-bas. Malheureusement, vous avez vu, c'est plus possible. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Et ça va être bien, là, il va enlever l'herbe et tout, Kelvin. Après, vous allez voir, ça va être vraiment dégagé de zinzin. Ça va être absolument parfait. Et ce qui est pas mal aussi là, c'est que si je me chie dessus, je vais vous faire une petite démonstration. Si là je me fais poursuivre par un quelconque indigène bien sûr, et bien tout simplement, je peux me barrer. Voilà. Oh, on a un beau stock là. On a un beau stock. Ah dommage, il faut que je monte. Pas mal. Ouais, alors je vais quand même terminer le plancher là avant toute chose parce que ça va me faire terriblement chier là pour être honnête avec vous de faire du parcours. Oh non. Oh non. Ah ouais mon pote. Alors on va voir si mes pièges sont efficaces ou pas. Et si tel est le cas, on saura si c'est inutile ou non. Et j'aime pas ce qui se passe, voilà. Ah, je vous le dis direct, j'aime pas ce qui se passe. Bon, normalement il est pas censé m'avoir vu. J'espère juste qu'il va pas shooter Kelvin. Parce que là j'ai aucune... Non, il est en train de bouger Kelvin, c'est bon. Putain, mais c'est infâme ce truc, sérieusement les gars. Si vous avez une astuce en commentaire, je suis vraiment preneur. Parce que ça va être de pire en pire. Et on n'est pas du tout prêt là, on fait que du build, on fait pas du tout du stuff ou quoi, on fait que de la construction. Donc on est vraiment pas paré pour cette merde. Si vous avez des astuces, je suis preneur.
J'ai hâte de voir, entre guillemets, si il est capable de rentrer dans ma base avec les protections qu'on va faire autour électriques. Et moi, je pense qu'il va pouvoir rentrer, donc c'est absolument terrible. En fait, je pense surtout à l'hiver, en fait, quand ça va geler, quoi. Quand ça va geler, il va rentrer sans aucun problème. C'est horrible. C'est horrible. Bon, ça va, Calvin, il a pas l'air d'être trop perturbé, là. Il a repris le boulot. Je vais récupérer les bûches. Ah ouais, c'est pas mal là. C'est bien dégagé là. Manque plus que quelques petites lumières. Oh, le mutant il revient. Le mutant il revient. Oh putain, il fait des allers-retours le boug. Ah ouais. Regardez, il vient vers nous là. Je me bats. Je prends pas le risque de rester sur la terre parce que sinon il va venir nous faire chier quoi. Hop là. Bon, il m'a pas vu. Oh. En fait, normalement, il est censé se noyer hein, s'il va dans l'eau. Mais il ira jamais dans l'eau. Mais ce qui serait pas mal, c'est de réussir à lui faire un piège dans l'eau, quoi. Et je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait proposé ça en commentaire. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas terrible. Parce que en plein hiver, bah, quand ça va geler, ça changera rien, quoi. Le piège... Regardez-le, là. Il fait que des allers-retours, le boug. Putain. Il sait pas où il va, il sait pas où il veut aller, mais... C'est terrible. Bon, les tyroliennes là, c'est vraiment chouette. Ça fait pas mal de possibilités de fuir. Je sais pas où est le mutant. Voilà, c'est bon. Je me chie dessus. Bon, bref, le plancher est terminé. On va pouvoir continuer. Tout va bien. On vit dans le meilleur des mondes. Attendez, pour se donner une idée du toit, vous savez quoi? Autant en profiter hein. Comme ça on se donnera un peu une idée de à quoi ça va ressembler. Faut pas oublier de faire les murs également. Alors les murs, est-ce qu'on les fait en pierre ou pas? En haut. Ouais, les murs on va peut-être les faire en pierre. Alors vous avez Calvin qui se fait poursuivre par cet incroyable mutant. C'est formidable. Alors là les gars, j'ai trouvé la technique ultime pour ramener les bûches et les pierres etc à la base. Là ça avance vraiment bien, je suis trop content. Regardez-moi cette tyrolienne ici. Je me suis fait un petit accès. Alors attendez, je vais juste continuer un petit peu le toit. Et je vais vous montrer, je suis refait les gars. Mais genre vraiment, parce que là ça a commencé vraiment à me taper un peu sur le système. C'est long hein, franchement les gars, c'est super long à faire, faut pas croire. C'est absolument terrible. Ah j'en avais encore une de prête ici. Regardez, en fait du coup, j'ai déjà fait les côtés ici avec les pierres, ok. Et là, j'ai fait un petit trou, en fait. Alors, je sais pas si je vais le laisser pour toujours ou pas, ce fameux trou. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément rassurant d'avoir un trou ici. Mais il n'empêche que là, j'ai fait la tyrolienne. Alors déjà, regardez la déforestation de Calvin. J'ai encore pas mal de bûches à récupérer. Mais bon, malheureusement, il y a pas quand même... Il y a des bûches qui sont dans l'eau. Donc, il y en a qui vont être complètement récupérables. Mais bon, t'as compris, là, il est en train de tout continuer. J'arrête pas de lui demander de continuer les 20 mètres autour. Et ouais, vraiment, voilà, le coup de la tyrolienne ici, c'est absolument parfait. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Non, arrête, j'ai besoin de la pierre. J'ai encore besoin de bois. Parce qu'on va essayer quelque chose que je n'ai encore jamais fait en termes de structure. Puisque, en effet. Enfin, vous allez voir, là, je suis en train de parler. Mais vous ne voyez pas encore de quoi je veux parler. D'ailleurs, le mutant, je sais pas où il est passé. Hein, si jamais, à tout moment, il revient. Mais je l'ai pas vu depuis un petit moment. D'accord? Je préfère vous le dire. Voilà, je préfère également qu'il le sache. Je ne veux plus le revoir. Voilà. Alors, en gros. Ah oui, regardez aussi ce que j'ai fait. Putain, bien sûr. Alors, j'ai tenté un truc. Vous me dites en commentaire. Parce que comme ça paraît bizarre le fait qu'il n'y ait pas de bûche en bas vers le bas, mais je me suis dit pourquoi pas faire ça. Ça fait un rappel. Alors vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Bon là, faut s'imaginer sans les tyroliennes hein. Mais vous avez vu, ça fait un petit style je trouve, non? Alors, faudra voir quand on fera les fenêtres. Mais voilà, ça permet de faire un rappel et pas que ça fasse forcément bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais donc, ce que je voulais vous parler, c'est ici. J'ai enlevé les bûches que je pouvais enlever en bas. Malheureusement, je peux pas tout enlever. Du coup, je vais essayer un truc. Je sais pas comment ça marche. Mais on peut faire, je crois. Alors. Ah! Bah, c'était pas ça que je pensais. Mais c'est que ça marche. C'est que ça marche en plus. C'était pas ça que je voulais faire. Je voulais vraiment faire
attendez. Ah, je peux pas enlever là. Attendez. Bon, en fait, je voulais mettre, vous savez, vous voyez dans l'angle là, l'angle, je voulais mettre une bûche dans l'angle. Et ça permet apparemment de retenir plus les bûches. Mais là, visiblement, j'ai trouvé une autre technique. Alors, on va voir. Hop. Attendez. Je suis content de faire ça avec vous. Si je fais ça. Ah non, je peux pas enlever. Ah, lui, je peux l'enlever. Mais là, je peux pas l'enlever. Et lui non plus. Aïe! Lui, je peux l'enlever, d'accord. Là, si je fais ça. Je peux pas l'enlever. Mais si je fais ça, lui, je peux l'enlever. Non. C'est complètement crétin. Mais c'est complètement couillon, c'est tellement aléatoire. Oh, je peux plus l'enlever. Ah si. Bon, alors. Je vais essayer ce dont je voulais vous parler. Si je coupe en deux. Là. Est-ce que je peux pas faire un... Ah! C'est ça. Alors, attendez. Si je fais ça. Là, je peux enlever. Ça marche pas. Ah, je suis dégoûté. En fait, j'aurais dû faire ça dès le début. Parce que là, ça servira plus à rien. Sauf si je fais ça. Ah yes. Mais c'est que ça marche. C'est très aléatoire hein. Alors venez, on va déjà faire des fenêtres. Déjà ici je veux une fenêtre là à côté de la porte. Ou plutôt là. Ouais, plutôt là. Alors. Hop. Hop. Voilà, là on a une petite vue. Ah si, avec les bûches et tout sur le côté, c'est pas du tout gênant. Et en fait, vous savez quoi? Ça me donne même des idées de mettre des fleurs ici, tu vois. Non mais en vrai, c'est trop une bonne idée les gars, ce que j'ai fait là. Je suis juste un génie incompris. Ça se trouve vous trouvez ça moche, mais là j'ai, c'est une superbe idée. Bon, attendez. Il y a pas moyen de répéter l'action genre si je fais ça là, je peux pas. Ah bah non, j'ai pas de bûche ici. Ah? Oh? Oh? Oh, c'est bon. OK. OK les gars. J'ai le truc. J'ai le truc, donc on va faire ça partout ici. D'accord. Ok les gars, j'ai le truc, c'est bon. Ah là je suis fier de moi. Du coup je vais pouvoir enlever là. Ah, je peux pas l'enlever, bâtard. Ah. Il y a un problème dans ma construction là. Fort ennuyeux. Du coup mais là si je l'en... Là par contre ça marche normalement. Ah non, je peux pas. Ah mais du coup ça me stresse. Alors là je peux plus. Ah si, je peux l'enlever. What? Ça va se casser la gueule un jour, non? Et si un jour ça se casse la gueule? Ok. Alors attendez, vous savez quoi, je stresse. Je stresse beaucoup trop. Je vais préférer faire une sauvegarde maintenant, dans le doute, au cas où tout s'écroule. Parce que si je fais une connerie, c'est irréparable hein. Il n'y a pas de contrôle Z sur ce jeu les gars. Faut le savoir. Du coup ça veut dire si je fais ça là. Et si je fais ça là, je peux enlever ça. Et ça. Mais maintenant je peux enlever. Ah ouais. Oh le glitch. Mec, la prochaine fois que je retourne sur le jeu, je suis sûr il n'y a plus de maison. Ah là je peux pas l'enlever là. Ok, là ici. Je pense que je peux pas l'enlever non plus. Ah si, je peux l'enlever. Mais bah je vais l'enlever alors. Après niveau symétrie c'est pas terrible hein, mais bon. Ma foi. Là. Ah, j'aimerais vraiment enlever ça là. Je fais ça peut-être, ça fait un renfort. Oh putain, magnifique. Alors attendez, on va y arriver les gars. On va réussir à faire ce que je veux faire. Eh. Ok. Bah, dans ce cas là. Dans ce cas là, j'adore ce qui se passe. Voilà, j'ai mon cerveau qui est en ébullition les gars. J'ai l'impression que je suis dans le BTP frérot. Incroyable. Tac. Et là je peux enlever. Pas du tout. Mais je vais laisser ça pour des raisons symétriques. D'accord. Voilà. Bah ça me stresse. Du coup je vais laisser ça là pour faire de la symétrie quand même. Donc là de ce côté tout est bon. Là comment faire pour pouvoir enlever ça? Est-ce que si je fais ça. Eh, je vais trouver une solution les gars, regardez. Je suis sûr que ça va marcher. Ah. Ok. Ah. Ah, je peux pas. Je peux pas, mais au moins c'est symétrique. Là, je peux. Oh, là, je peux enlever.
Alors là on est sur de la symétrie si je fais ça. Mais est-ce que... Ouais je peux pas l'enlever. Donc voilà. Là au moins on est sur quelque chose de symétrique ici. Et là. Alors ce qui serait pas mal, ce qui serait pas mal, c'est aussi de mettre ça là pour des raisons symétriques. Et de mettre ça là pour faire une arche. C'est vraiment... Là c'est décoratif hein, par contre. Allô. Ah c'est gênant. Ah voilà. Ah c'était pas ça que je voulais faire. Formidable. Formidable, je ne peux pas faire ce que je veux faire. D'accord. Bon, on a bien l'air con. Ah mais voilà c'est bon. Impeccable. Voilà. Bon c'est pas parfait hein. C'est pas parfait. Mais... Mais ça devient intéressant. En tout cas c'est symétrique. Là ça fait un carré au milieu là tu vois. C'est symétrique, j'aime bien là ça y est j'ai... Ça me fait plaisir. Je sors un petit peu voir. Parce que des fois tu ouvres la porte et t'as des surprises. Comme le gros mutant. Mais là visiblement tout va bien. Ok. Bon pour le dessus faut que je continue encore. Je pense que je vais terminer en off parce que vous avez très bien compris la démarche. Moi j'aimerais vraiment terminer cet épisode, enfin continuer cet épisode plutôt avec le glider là. J'aimerais vraiment réussir à voler ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que j'ai vraiment vu un truc de ouf. Alors vous savez quoi, je vais économiser le bois. J'en avais encore dans les stocks de nouveau maintenant que j'avais rempli. Faudrait que je fasse une tour. Mais ça va me demander beaucoup de bois en fait. Parce qu'il faut faire un escalier etc. Ah c'est terrible. Non mais les gars vous savez quoi, excusez moi je pars dans tous les sens. Je sais je... Voilà, c'est pour ça que vous me kiffez je crois. Non c'est peut-être parce que je pars dans tous les sens. Dans tous les cas faut que je retourne à ma base. Parce que j'ai faim. Donc il faudra vraiment que je prépare, que je mette de la nourriture ici aussi. Mais vous voyez par contre là, ce que je vous disais là je vois bien. Ah bah regardez. Bon déjà là je pars dans tous les sens. Voilà ça y est, il n'y a ni queue ni tête. Mais là voilà je vois bien un collecteur d'eau par exemple, vous voyez. Genre, mais pourquoi pas ici, là, devant cette entrée, là. Tu vois, en fait, ça fait des petites arches. D'avoir mis ces bouts de bois, là, comme ça, là, ces bûches, c'est absolument parfait. Non, franchement. Alors, là, s'il pleut, l'eau, elle rentre. Ok, parfait. En plus, l'eau, elle va couler des pierres et tout, c'est parfait. Là, je vais en mettre l'une à côté de l'autre. Voilà. Bon, malheureusement, j'ai pas de carapace, hein. Faudra que je récupère la carapace. On fera ça ensemble. Et attends. Il y a vraiment des bruits. Je sais pas si le son est assez fort pour vous. Je me chie dessus. Hein. Ouais, je disais des meubles de jardin. Là. Attendez, jardinière. Tu vois, déjà, je peux faire des jardinières murales. Pour faire au sol, genre. Parce que jardinière sur pied, c'est pas très beau en vrai. Hein. Et en vrai, ça demande 18 bâtons. Alors que là, ça demande 16 bâtons. Là, tu mets ça au sol. Comme si. Alors, c'est contre le mur, mais c'est comme si c'était au sol normalement. Tu vois, regarde. Ça fait comme si c'était au sol. C'est une superbe idée ça. Et là tu peux planter tout type de T'as vu? Non mais je suis un génie en fait. C'est incroyable. Eh, mettez moi un like. Pétez moi les likes les gars. Franchement, est-ce que c'est pas ingénieux? Bref, on va aller à la base. Hop. Hop. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va ouvrir à l'avance ici pour le glider. On va manger. On va ramener le glider. Je suis en train de speedrun là. C'est incroyable. PGM. Voilà. Et il faut vraiment que je m'entraîne. Alors, est-ce que je vais pouvoir monter tout là-haut? Ce serait vraiment chouette que je puisse monter tout là-haut. Ah non, je peux pas prendre la tyrolienne avec ça. Je pense pas. Attends. Ah oui, il veut pas en fait. Il m'empêche. Il m'empêche de le faire. D'accord. Alors comment faire? En fait, il me faudrait vraiment un point haut. Et je peux faire essayer la technique. Et j'ai plus de bois ici, hein. Ah. Attendez, on va bien trouver une solution, les gars. On est là pour ça. Attends, j'essaie de glitcher. Non, c'est pas possible. Je peux pas monter là non plus. Bon, d'accord. Ah, parce que si on serait sur le toit, ce serait peut-être suffisamment haut. Bon au pire, eh, vous savez quoi? Au pire, non je dis ça, je dis rien. On va dormir, je laisse ça là. Et comme ça on va se quitter dans les airs. On va dormir et on va se retrouver à un point. Bah là-haut, on va monter là-haut.
Et on va essayer la technique. Ça nous laissera assez de temps de descente pour essayer la technique. Alors, si ça se peut, ça a été patché sur ce nouveau patch numéro 9 d'ailleurs. Ce dont je suis en train de vous parler. Si ça se trouve, je l'ai dans le cul. Je ne sais pas. Mais, voilà, ça mange pas de pain d'essayer. Allez, les amis, du coup. Attends, il est quelle heure là? Il est 16h, mais si je dors... Rien à foutre, j'essaie de dormir. Et s'il fait nuit, bah je suis un connard. Eh ben il fait nuit, je suis un connard. Voilà, il est 5h. Ah non, 5h du mat, ça laisse le temps, voilà, c'est bon. Le soleil va se lever tranquillement, ça nous laisse le temps de... Aïe! De boire et de manger. Voilà, regardez, le jour se lève. Oh, parfait. Le timing est dingue. Oh, j'ai laissé ouvert. Je suis un trou de balle. Allez, je bois. Je mange. Va falloir refaire de la chasse aussi. Bah, je vais remettre des pièges à lapin un peu tout autour parce que ça marche super bien ça. Voilà, le jour se lève tranquillement. Je prends mon petit glider. Et on va prendre notre courage à deux mains. Et on va y aller. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas de quoi me bagarrer, mais on va monter. Et on va voir comment ça va se passer. Oh bâtard! J'ai perdu mon glider. C'est pas mal là en vrai. Attendez, je tiens peut-être un truc. J'ai pas forcément besoin d'aller si haut. Si je vais là en vrai. Il y a Virginia qui me suit d'ailleurs, c'est adorable. Ça peut le faire. Bon, si je me foire j'ai l'air con. Mais on peut essayer. Alors, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de sauter. Donc là on va... Voilà. Donc là on vole, d'accord. On est bien d'accord, on a une certaine hauteur, d'accord. Alors profitez bien les gars, ça va être magnifique. Donc retenez bien la hauteur à laquelle nous sommes. On va descendre. Et on va remonter. On va redescendre à fond. Et on va remonter. Et ça devrait marcher si je fais ça. Voilà, je monte, je descends, je monte. Eh, regardez les gars, ça marche. J'ai le truc. Voilà, et là on est super haut là. Normalement. Alors, on va le prouver en allant vers là. D'accord, vous voyez la montagne. Alors, hop. Hop. On essaye. Hein. Ça se trouve, ça sert à rien, mais moi je pense que ça marche. Ok, ça donne plus le vertige qu'autre chose. Alors attendez, là on est à une certaine hauteur. On va voir quand on va arriver au niveau des arbres. À la hauteur des arbres. Et je pense que ça va être assez parlant. Si je me crache ou pas. Donc là c'est vraiment en crash test de zinzin. Voilà, donc là je commence à m'approcher dangereusement des arbres quand même. Hein. D'accord. Alors regardez. Comme ça. Non, ça marche pas. Faut vraiment que je prenne de la vitesse. Et hop. Ça marche pas du tout. Voilà, on va se planter, c'est génial. J'ai pas l'impression que ça marche. En même temps j'ai l'impression que ça marche quand même. Ah si, j'ai remonté là. Non là ça remonte pas du tout là. Je suis dans la merde. Ça marche pas. Ah si, je suis plus haut que mon rocher là, regardez. Je suis quand même plus haut que le rocher dans lequel j'ai décollé. Eh. Attendez. Ah oui, là je suis mort. Là je suis pas bon du tout. Ah, j'ai repris d'altitude là. Non, j'ai repris d'altitude en vrai. Je pense que c'est un coup de main à prendre. Faut prendre de la vitesse. Et remonter. Ouais, ça marche pas. Allez. Ouah, j'ai rasé les arbres, frérot. Bon, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible comme technique. Mais on aura essayé. Donc en fait, je vous ai vendu du rêve. Et moi aussi, je me suis vendu du rêve. Je suis dégoûté, je vais essayer de me renseigner sur YouTube s'il y a quand même pas moyen de voler à l'infini. Parce que ça peut être vraiment cool pour le coup. J'ai quand même l'impression de voler longtemps. Hein. Regardez. Là je remonte en vrai. Hein. Non, en vrai je remonte là. Eh hein. Et... En vrai tu reprends la vitesse. Et hop. Non, en vrai ça marche.
C'est pas comme ce que j'imaginais, mais ça marche. Regardez. En vrai, ça marche. Je suis quand même plus haut qu'avant. Alors désolé les gars, je fais durer l'épisode, j'espère que ça vous va. En vrai, c'est super stylé. On va vraiment faire un test concret les gars. Regardez. Oh putain, c'est incroyable. Oh purée, c'est incroyable. Voilà, là c'est concret hein. Et là je remonte. Eh, ça marche de ouf. Ouh. Ça marche plutôt pas mal en vrai hein. Mais c'était pas comme ça que j'imaginais. En fait je voyais faire des à-coups comme ça. Et ça permettait de monter de plus en plus haut quoi. Bref. Oh là. Dangereux ça. Allez, on va essayer d'atterrir. Ça peut être pas mal. Oh là là. Oh là là. Ah bah voilà. J'avais oublié comment freiner. C'est vrai que c'est pas réaliste, mais c'est pas grave, ça marche bien. Tiens, eh, on va essayer de le mettre sur le toit. Oh mais oui. J'aurais dû y penser plus tôt. Yes, yes. Oh non. Oh non, dommage, j'aurais pu le mettre sur le toit. Je suis dégoûté. Bref les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode un petit peu plus long que les autres. Je vais terminer la maison en off pour le coup. Et dans le prochain épisode vraiment on va s'attaquer aux décorations concrètement. Là je vais vraiment faire la structure à la base parce que c'est chiant hein, les bûches et tout. Même s'il en reste encore dans l'eau. Et Virginia qui m'a admiré depuis tout à l'heure. Et voilà, le prochain épisode on va vraiment décorer. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse concrètement dans le prochain épisode également. Et hop là, on récupère les poissons. Voilà, concrètement, si vous voulez qu'on fasse d'autres choses, de l'exploration notamment, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais sinon, on va vraiment faire de la décoration. Ça va être vraiment pas mal. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu, les amis. Et à samedi pour la suite de cette incroyable aventure. Vraiment, je l'adore. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.